Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de colis. C'est parti, on arrive d'Italie. C'est un colis de Tosoni Selleria. J'ai juste une question. Il s'est passé quoi là? Il manque un rectangle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sinon, à part ça, bah, je trouve qu'il est arrivé en bonne santé le colis parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avec des colis Amazon qui étaient dans un état, ça ressemblait même plus à un carton. Là, il y a juste ça qui est un peu plié. Bon, ça peut arriver. De ce côté-là, je vous montre pas, mais de ce côté-là, il y a l'étiquette avec mon adresse et du coup mon nom et mon prénom qui s'écrit bien LAYLA. Et là, au-dessus, ils ont écrit au marqueur mon nom qui est bien écrit et mon prénom LAYLA. Bon, détail. Bon, j'arrête de parler et on va l'ouvrir. Alors, mes ciseaux, je les ai mis où? Bah, juste derrière vous. J'ai pris des ciseaux, hein. C'est bon, j'ai tout déballé. Maintenant, je vais vous montrer les produits un par un. Je commence par la chose la plus grande, la plus importante et celle qui me fait risquer de tout casser. C'est un tapis de seau que je trouve magnifique. La couleur. J'avais un peu peur pour la couleur parce que sur le site, il y avait quatre couleurs. Il y avait le bleu marine, là, celui que j'ai pris. Il y avait du blanc, si je ne me trompe pas, du rouge et du noir. Et en fait, le bleu marine et le noir, ils se ressemblaient beaucoup. Et j'avais peur que c'était un bleu marine trop foncé. Mais finalement, non, ça va, c'est magnifique. J'adore. Il est trop beau. J'ai jamais eu un tapis de cette forme. Mais écoutez, je trouve ça trop, trop beau. Il est magnifique. J'ai trop hâte de le mettre sur mon cheval préféré. Donc, je l'ai pris bien sûr en taille full pour aller sur un cheval. Et comme vous pouvez le voir, il est de la marque Equestre. C'est une marque que j'adore, mais je pense que je vous en ai déjà parlé. Je pense, hein. Ah, parce que j'avais acheté le sac à dos et je vous l'avais montré en vidéo, mais je sais pas si après je vous ai parlé de la marque, si j'ai approfondi le sujet ou pas. Et bien, en tout cas, si je l'ai pas fait, je le dis maintenant. J'adore cette marque. Si vous cherchez des produits de qualité, et bien cette marque est faite pour vous. Je vous mets leur site en barre d'infos. Non, pas leur site parce qu'ils expédient qu'en Italie, parce que j'ai oublié de le préciser, mais c'est une marque italienne. Je vous mets le site de Tosini Selleria, celle où j'ai commandé. C'est un site italien, pareil, mais expédié en France. Je vous laisse leur site en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir. Ils vendent un peu de tout, toutes les marques, tout ce dont on a besoin en équitation, c'est sur leur site, dont la marque Equestre. Bon, c'est dommage, ils n'ont pas tous les produits, mais ils ont quand même pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller voir. Ah, mais je vous ai pas montré l'intérieur du tapis. Il est blanc, je m'y attendais pas. Mais il va vite changer de couleur, surtout que le cheval sur lequel je veux le mettre, il est bai. Donc, il va pas rester comme ça très longtemps. Sinon, je vais vous montrer le t-shirt que je trouve magnifique. Il est trop beau. Trop, trop beau. J'adore. Moi, j'aimerais bien ce motif sur un foulard. Je trouve que ce serait très, très, très joli. Très classe. Le motif vous fait pas penser à Gucci? Je l'ai pris en taille XS, tout comme la polo de concours, je vais vous montrer juste après. Ensuite, j'ai pris un polo de concours. Voici la beauté. Attendez, on va louer tout ça. Il m'a l'air très frais. Bah, parfait pour les concours de cette période qui commence à faire chaud. Attendez, je vais enlever ça. J'aime beaucoup avec le logo juste là. Mais du coup, ça pareil, je l'ai pris en taille XS. J'adore le tissu, j'adore la matière. Franchement, c'est trop bien. Dommage que vous ne pouvez pas toucher. Mais c'est vraiment de la qualité. Par contre, moi, les grosses étiquettes comme ça, au niveau du cou, je ne supporte pas ça. Je vais vous montrer ce que donnait sur moi le t-shirt et le polo. Pour le t-shirt, là, vous allez le voir, il est trop serré au niveau des épaules. Dommage, j'ai pris ma taille habituelle du XS, donc si vous aussi voulez l'acheter et que vous faites du XS, je vous conseille de prendre plutôt du S.
Sinon, à part la taille, il est vraiment trop trop bien. J'adore la matière, j'adore le motif, il est trop joli. En plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce motif me rappelle trop Gucci. Pour ce qui en est du polo, la taille parfaite et franchement, on y est trop bien dedans. J'adore le tissu, j'adore la matière. Seule chose, il est un peu transparent, donc je ne mettrai pas quelque chose de coloré en dessous. Sinon, je le trouve simple, beau, d'une élégance à l'italienne. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut!